Ouverture officielle le vendredi 5 mai à Alfortville des Jeux du Val-de-Marne. Ils sont l'occasion de découvrir et de s'initier gratuitement à de nombreuses disciplines sportives dans tout le département. Deux semaines d'animation et d'activités adaptées à tous les âges. Cette ouverture des Jeux du Val-de-Marne est aussi l'occasion de parler Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils ont ces Jeux, l'âge du Val-de-Marne. C'est l'une des toutes premières délibérations du nouveau Conseil Général, désormais Conseil Départemental, en 1967, que de créer ces Jeux. Et donc cette année, c'est la 49e édition. Évidemment, cette 49e édition va être notamment marquée par la candidature de Paris-Île-de-France aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous organisons des initiatives en direction de la pratique féminine et en direction également de la pratique pour les personnes en situation de handicap. Et donc, bien évidemment, nous renouvelons, nous poursuivons cette démarche cette année. Je voudrais encore rappeler que les Jeux Olympiques, ce sont aussi les Jeux Paralympiques et que la démarche de soutien à la candidature, c'est aussi une démarche de soutien à la candidature des JOP. Le P voulant dire paralympique. Les bénévoles, les clubs, les associations font vivre le sport partout dans le département. Lors de l'ouverture de ces Jeux, le public a pu découvrir des sports plus confidentiels, comme par exemple le frisbee. J'aime bien jouer avec des coéquipiers, donc la performance collective, elle m'intéressait beaucoup dans ce sport-là. Après, c'est un sport qui est mixte, donc sur le même terrain, vous avez des hommes et des femmes qui jouent ensemble, donc ça, c'est pas commun et c'est aussi une des choses qui m'a plu. On est auto-arbitré, donc on n'a pas d'arbitre, on défend nous-mêmes les règles de jeu sur le terrain. Puis ça fait déjà beaucoup de valeur que j'ai pu retrouver dans ce sport-là et que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Une même passion pour les sportifs, faire découvrir la pratique de leur discipline, mais aussi relayer auprès des jeunes les valeurs sportives. Ces valeurs, c'est les valeurs de collectivité quand on est dans un club, on vit ensemble, donc il faut être capable de respecter l'autre, de savoir vivre avec les autres. C'est des valeurs aussi de dépassement de soi, puisque quand on fait une activité, on essaye de faire le mieux possible et d'essayer d'être le plus performant possible. Voilà, des valeurs aussi de solidarité, puisque quand on est dans une équipe collective, ben, il faut que tout le monde y arrive et que si tout le monde n'est pas derrière les autres, on ne peut pas monter un groupe et on ne peut pas arriver au même objectif et au même but. Le conseil départemental déploie tout son savoir-faire pour que cette manifestation soit une belle rencontre entre le public et les associations. Ces Jeux du Val-de-Marne, c'est le résultat de 6 mois de travail qui ont lieu en amont. On prend contact avec les différents partenaires. Dans un premier temps, on réfléchit sur la thématique qui va être abordée cette année. Puis ensuite, il y a toutes les réunions de travail, toutes les prises de contact avec les différents partenaires. Et l'articulation, notamment avec tous les partenaires, que ce soit le monde sportif, le monde associatif ou bien les villes. Près de 90 000 élèves et 20 000 participants sont attendus pour cette nouvelle édition des Jeux du Val-de-Marne qui se déroulera jusqu'au 21 juin. Allez, un petit mot pour conclure. Faites du sport pour votre bien-être, pour le bien-être des autres et puis surtout pour votre développement personnel.